Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est la fin du DP que Chouchou faisait, le DP d'action, donc la Tour Eiffel. Ça y est, il a déjà fini, il n'arrête plus, il est à fond. donc en même temps dans la vidéo, vous verrez quelques minutes sur l'encadrement, parce que je l'ai déjà encadré. Et mis au mur. Donc, voilà, c'est ce que vous allez voir. Je cherche mes mots. Je suis encore pas de trac aujourd'hui. Donc, voilà, là, il a terminé. Il en a déjà commencé un autre. Donc, ce sera sur la prochaine vidéo. Alors, au niveau encadrement, j'ai pris un cadre de chez Action. Là, j'essaye de prendre les mêmes cadres en ce moment, puisqu'on va les mettre, on les met sur un mur ensemble, donc pour que ce soit plus joli, qu'il n'y ait pas plusieurs sortes de cadres. Sinon, alors ce cadre-là, donc je vous ai dit, je l'ai eu à Action, c'est un cadre qui coûtait, enfin qui coûte 4,99 €. Donc voilà, donc c'est un 40-30. Voilà. Alors, vous allez voir que là, l'encadrement est super simple. Hein. Il n'y a pas eu de difficulté, il n'y a rien. J'ai pas eu de difficulté. J'ai juste recadré avec la vitre, fait un tour de crayon, un coup de ciseau tout autour, et puis voilà, c'est tout. Donc là, l'encadrement très très simple. Je vais vous laisser maintenant visionner cette petite vidéo, donc avec la fin du DP et l'encadrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. Un petit pouce bleu au passage, ça fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne, ça la fait remonter dans le moteur de recherche de YouTube. Voilà, donc c'est toujours sympa. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bon visionnage, bisous bisous!
Thank you.
Thank you.